Comme beaucoup de candidates de télé-réalité, Jessica Thivenin est une grande adepte de la chirurgie esthétique. Ainsi, malgré les critiques sur la transformation drastique de son apparence, Jessica Thivenin a toujours proclamé qu'elle se fiche du regard des autres. Si la majeure partie de ses abonnés estime que la candidate est allée trop loin, la femme de Thibaut Garcia, elle s'aime ainsi. En effet, le visage de Jessica Thivenin continue de faire couler beaucoup d'encre car sa nouvelle apparence dans Les Apprentis Aventuriers ont rapidement fait le tour de la toile, devenant même virale. Ce qui fait qu'à chacune de ses nouvelles apparitions à la télévision, Jessica n'échappe pas aux multiples commentaires sur sa transformation physique. Lorsque W9 a diffusé son portrait dans Les Apprentis Aventuriers par exemple, les internautes ne parlaient alors que de ça en commentaire. Une obsession que la candidate peine réellement à comprendre. Sérieux, il y en faut peu. Ça fait longtemps que j'ai commencé la chirurgie esthétique. Les injections, là il y a personne qui s'en remet, balançait-elle sur ses réseaux sociaux, et d'ajouter, si ça ne vous plaît pas, bah c'est pas grave. Moi je me plais, je suis très contente. Après c'est vrai que sur la vidéo je suis un peu gonflée parce que je venais de faire mes injections, le principal c'est que je m'aime. J'espère que vous allez réussir à tourner la page et à passer à autre chose. Putain, et ma gueule refaite, elle vous traumatise. Oh, détendez-vous, les gars. Détendez-vous. Ils ont pas accepté. Deux jours avant, j'avais fait des injections. Enfin, c'est pour ça que je ressemble à un pamplemousse. Mais ma tête, vous voyez bien que c'est pas la même. Hein. Une fois de plus, les internautes n'ont pas toujours pas compris le message. Tandis que Les Apprentis Aventuriers débutaient sur W9, les téléspectateurs ne se sont toujours pas remis du visage de Jessica Thivenin. Pour preuve, un nouveau avant et après de la candidate a fait le tour de la toile depuis. Les internautes ont notamment comparé le visage de la femme de Thibaut Garcia dans Les Marseillais face au reste du monde, à celui dans Les Apprentis Aventuriers. Pour montrer le changement considérable de son visage. Ainsi les critiques une fois de plus ont fusé en commentaires. Maintenant, c'est elle Boustiflore, elle a une mauvaise base donc même si elle essaie de s'améliorer ça n'ira pas en s'arrangeant, au moins c'est devenu un Pokémon en mode évolution, je la trouve beaucoup plus jolie avant. Après de nombreuses interventions esthétiques, Jessica Thivenin s'est complètement métamorphosée et ne ressemble plus à celle qu'elle était avant, face à ce changement physique. Jessica s'est attirée les foudres des internautes. Nombre d'entre eux regrettent sa transformation et jugent qu'elle a abusé de la chirurgie. Alors face à ces critiques, Jessica a répondu, si ça ne vous plaît pas, bah c'est pas grave. Moi, je me plais, je suis très contente. Avait-elle clarifié sur sa story. Mais c'est surtout lors de son apparition dans Les Apprentis Aventuriers que son visage a choqué la toile. Et qu'elle a reçu de multiples critiques sur son physique. Face à toutes ces critiques, Jessica a pris une grande décision surtout en tant qu'influenceuse. Jessica Thivenin a en effet décidé de ne plus utiliser de filtre sur ses photos. Cette décision est motivée sur le fait qu'elle est lassée d'entendre des critiques sur sa transformation physique. Alors, Jessica Thivenin a décidé de faire taire les mauvaises langues en postant une photo d'elle sans filtre ni retouche. Malgré cela, les réactions des internautes sont restées mitigées. D'un côté, certains lui reprochent tout de même d'être trop refaite. Et ont même mis en doute le fait qu'elle n'ait pas utilisé de filtre. Heureusement, Jessica a pu compter sur ses nombreux fans qui lui ont apporté leur soutien en complimentant sa photo et appréciant sa démarche de se montrer sans filtre. Mais comme le dit Jessica elle-même, l'important c'est qu'elle se sente bien dans sa peau et qu'elle aime son apparence. Les critiques peuvent bien continuer, elle s'en fiche et est heureuse ainsi avec sa famille. Alors que pensez-vous de la transformation physique de Jessica Thivenin? Donnez-moi vos avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne.